La sécurité des biens et des personnes préoccupe au plus haut niveau la commission de l'UEMOA. Près de 32 personnes sur 100 000 perdent accidentellement la vie sur les routes de l'Union, en dépit de l'existence d'une réglementation en matière de sécurité routière. Nous avons, dans la plupart des États, les services de contrôle technique qui sont en situation de concession. Vous savez que nous avons fait le constat que beaucoup de véhicules ayant les certificats pour les contrôles, qu'on le retrouve encore en mauvais état. Donc les États ont décidé de concéder cela à des opérateurs privés qui seraient peut-être beaucoup plus stricts pour appliquer les normes. C'est pour faire le point sur la mise en œuvre de la réglementation communautaire en matière de sécurité routière que les experts des 8 pays de l'Union se sont concertés récemment à Ouagadougou. Nous avons abordé la question, n'est-ce pas, de la formation, mais aussi des informations, des bases de données sur les véhicules qui circulent dans tout l'espace. Et il faut qu'on puisse les traquer. Hein. Nous avons aussi vu de façon subsidiaire le règlement 14 parce que tout ça impacte sur la sécurité routière. Donc c'est un gros chantier qui est d'actualité. Chaque participant a apporté l'expérience de son pays en matière de sécurité routière en vue de l'élaboration d'une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui va sans doute contribuer à réduire de façon significative les accidents de la route au sein de l'UEMOA. Face à l'exécutif burkinabé, le président de la commission de l'UEMOA a, avec son équipe, fait le bilan des projets, programmes et politiques communautaires exécutés au Burkina Faso au cours de l'année 2017. Un bilan qui porte essentiellement sur la gouvernance économique, le marché commun et les politiques sectorielles. Je puis vous dire que cette revue a été très positive dans ses conclusions au niveau du Burkina Faso. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités du Burkina, mais aussi à l'endroit de la commission de l'UEMOA. Ces recommandations visent à améliorer les performances au cours de la prochaine revue. À l'issue de la séance de travail avec l'équipe gouvernementale, le Burkina Faso ressort avec un score de 77,8% sur 122 directives et 13 programmes, en dépit d'un contexte sécuritaire précaire. Il a été ressorti que le Burkina est le seul pays au niveau communautaire à avoir adopté le budget programme. Et ce budget programme maintenant est un exemple, un bon exemple pour des références. Et nous avons des pays qui viennent ici pour apprendre du Burkina Faso. Des insuffisances ont été relevées dans certains domaines, mais avec les efforts fournis par les autorités burkinabées dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et celui des marchés publics, le Burkina Faso apparaît comme un bon élève aux yeux de la commission de l'UEMOA. Après 10 années de travaux, l'aéroport international Blaise Diagne, situé près de Dakar, devrait être inauguré début décembre. Ce nouvel aéroport pourra accueillir jusqu'à 3 millions de passagers par an dès sa mise en service et pourra aller jusqu'à 10 millions dans les années à venir. L'ambition est de faire du Sénégal une plaque tournante et un point préférentiel d'escale technique sur le continent pour les trafics aériens d'Afrique, d'Europe et des Amériques. La réalisation du nouvel aéroport répond par ailleurs à l'ambition de désengorger la ville de Dakar et de favoriser ainsi un meilleur aménagement du territoire. La centrale thermique d'Azito, une unité privée qui génère 30% de l'électricité en Côte d'Ivoire, a récemment renforcé sa sécurité 5 ans après des attaques qui ont endommagé ce site stratégique du pays, leader régional dans la production du courant. Le 15 octobre 2012, l'une des deux turbines à gaz de la centrale avait été attaquée à la grenade par des assaillants non identifiés et mise hors service, entraînant une réduction de moitié de la capacité du site. Face à tout ce que nous avons vécu, l'État de Côte d'Ivoire a pris le taureau par les cornes et a vraiment estimé que Azito était une centrale, sinon un site qui comptait pour la sécurité nationale. Un site stratégique dont l'État de Côte d'Ivoire a mis tout en œuvre pour que cette centrale soit sécurisée. Et la centrale est hautement sécurisée. Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire est engagée dans la reconstruction de son réseau électrique depuis la fin de la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011.
Les autorités projettent d'investir 18 milliards de dollars dans le secteur d'ici à 2030, financé en grande partie par le privé. Abidjan ambitionne de doubler sa production actuelle d'ici à 2020. Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont récemment modifié de manière approfondie leur dispositif communautaire en faveur de la promotion de la décentralisation au niveau sous-régional à travers la mise en place d'un organe consultatif dénommé Conseil des collectivités territoriales. Cette initiative suscite beaucoup d'intérêt chez les partenaires techniques et financiers de l'Union. La décentralisation financière dans l'espace communautaire fait partie des chantiers prioritaires de la Commission de l'UMOA. Avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, la Commission de l'UMOA a lancé depuis 2014 une étude exploratoire sur la création d'un mécanisme communautaire de financement local. C'est dans le but de faire connaître la proposition du cadre stratégique aux partenaires techniques et financiers que la commission de l'UMOA a récemment engagé des échanges avec ces derniers en vue de préparer la prochaine Assemblée générale qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UMOA en perspective du sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu à Abidjan à la fin de ce mois. Et il est important que nous mobilisions les élus locaux, notamment les collectivités. Et c'est pour ça que nous sommes en train de préparer une rencontre qui aura lieu à Grand Bassam dans quelques jours pour, arriver à des formulations de recommandations et aussi à des projets concrets que nous pourrions soumettre, à nos chefs d'État qui sont membres de l'UMOA et qui pourraient, dans le plaidoyer, dans la rencontre qu'ils auront avec leurs homologues de l'Union africaine et de l'Union européenne, présenter ces dossiers. Tous les projets qui seront soumis au chef d'État lors de la rencontre de Grand Bassam ont été minutieusement examinés par le Conseil des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers de la Commission de l'UMOA. L'ensemble des projets qui ont été examinés lors de la rencontre de Ouagadougou tournent autour du développement des infrastructures socio-économiques dans les zones frontalières de l'espace communautaire. Ce sont des projets de plusieurs natures. Vous avez des projets qui relèvent des investissements socio-économiques. Par exemple, à certaines frontières, il y a nécessité de faire des marchés. Vous savez, c'est la zone de commerce. C'est pour les pays qui sont sahéliens, il y a la gestion du bétail. Pour d'autres, il y a des irrigations à préparer, l'accès à l'eau. Vous avez aussi les questions sanitaires, les questions d'éducation, les questions de pistes rurales, etc. C'est vraiment... et puis la préservation de la nature... Et l'énergie, l'accès à l'électricité. Donc ce sont des questions concrètes, pratiques, pragmatiques qui nous sont soumises et que nous sommes en train d'examiner. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il y aura un pont entre Kanakono, qui est la dernière commune de Côte d'Ivoire, et Misseni, qui est la dernière commune de Côte d'Ivoire vers la frontière. Distant de 20 km, donc il y aura un pont qui va faciliter, qui va nous éviter de faire 450 km pour arriver à Misseni. Surtout déjà que l'UMO avait financé un projet commun. À côté de ça, il y a le côté ouest où il y aura la piste Tengrela-Debete et de l'autre côté du Mali, à partir de Zéguélé pour aller jusqu'à Fakola. Et bien sûr, dans une autre étape, dans d'autres projets, nous allons retenir un pont entre Debete et Zéguélé qui est côté malien. Et puis, il y aura un centre de formation agro-pastorale qui va travailler en collaboration et avec l'Université de Korogo, et avec l'Université de Bobo-Dioulasso, et avec l'Université, bien sûr, de Sikasso, pour justement former les agriculteurs, former les éleveurs, et surtout...
former des étudiants. Oui. On dit que ce serait un très grand centre qui formera à la limite tout le monde. Les gouvernements locaux et régionaux jouent un rôle central dans le processus de décentralisation des États de l'Union. Un mécanisme communautaire de financement local a donc été initié en 2014 par la Commission de l'UMOA en partenariat avec l'Union européenne et la coopération française en vue de transférer les ressources auprès des gouvernements locaux afin que ces derniers puissent accomplir leur mission. Les ressources n'ont jamais été suffisantes, même au niveau de l'État. Et c'est-à-dire que l'État nous a transféré un certain nombre de compétences, surtout dans les besoins de base, tels que la santé, l'éducation et l'aménagement du territoire en partie. Mais les ressources ne suivent pas toujours. Et ces ressources sont nécessaires pour la mise en œuvre des différents programmes de développement. Donc, mais je peux vous dire qu'au Burkina, la volonté en tout cas a été affichée clairement et que chaque année, nous constatons que peu à peu, et ces transferts sont en train de se concrétiser. Mais ça ne va pas, bien sûr, au rythme que nous voulions que cela aille. Donc il va falloir rester en veille et faire un plaidoyer pour que ce transfert puisse être effectif pour le meilleur de nos populations. Tous ces projets qui seront mis sur la table des négociations à Grand Bassam ont pour but de participer au bien-être des populations de l'espace UMOA. Un document proposant le cadre stratégique sur la décentralisation financière a été adopté par le Conseil des collectivités territoriales de l'Union et les partenaires techniques et financiers à l'issue de la rencontre de Ouagadougou. Du 27 au 28 novembre 2017, la commission de l'UMOA organise un séminaire régional de formation et de vulgarisation du droit et de la justice communautaire. Le séminaire aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une réunion des experts sectoriels sur la stratégie et les textes juridiques sur le partenariat public-privé aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 27 au 29 novembre 2017. Lomé, la capitale togolaise, accueille du 28 au 30 novembre 2017 la troisième session ordinaire de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'UMOA.